Ils sont en majorité des femmes et des enfants. Visage défait, cœur en détresse, 350 Sénégalais rapatriés de Centrafrique, dont 30 Guinéens et 10 Maliens, sont arrivés à Dakar en compagnie des membres de leur famille. On a peur. On découpe les gens en morceaux. C'est des catastrophes. On avait quitté très mal. Moi-même, avant-hier, on devait me gorser la nuit. C'est des Burundais qui sont venus me sauver, m'amener au consul du Sénégal. On demande que le Dieu n'a qu'à faire la paix dans ces pays-là, parce qu'on vivait en harmonie avec ces gens-là. Actuellement, là-bas, c'est très dangereux. Mais ce que nous voulons, que Dieu nous protège, protège tous les Sénégalais qui restent là-bas. Il y a des Sénégalais qui sont là-bas, avec leurs biens. En l'espace de 3 jours, ce sont 600 Sénégalais sur les 750 qui vivaient officiellement en Centrafrique qui ont quitté ce pays en proie à un conflit interconfessionnel entre musulmans et chrétiens. Venus à l'accueil, les autorités sénégalaises, qui ne prévoient pas un troisième vol, ont promis d'apporter une assistance à ces rapatriés qui ont tout laissé derrière eux. Les dispositions prises aujourd'hui, c'est de pouvoir recenser toutes ces familles qui sont là et permettre d'abord la réintégration préscolaire des enfants. Les femmes aussi, comme je viens de leur dire tout de suite, ce sont des femmes sénégalaises. Donc elles ont tous les droits de pouvoir bénéficier des financements qui sont mis en place pour ces femmes-là et en même temps d'être formées et encadrées. Selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, tous les rapatriés vont être recasés. En attendant, une cellule d'assistance psychologique a été mise en place en rapport avec le ministère de la Santé.